Bonjour, je me nomme Ulrich Maluki, assistant chercheur bénévole à l'Université de Kinshasa en République démocratique du Congo et compte manager pour l'ONG Programme au Gabon. L'honneur nous choque de pouvoir vous présenter notre étude sur les rencontres naïves avec les gorilles de plaine de l'Ouest dans les environs du parc national de Moukalaba-Doudou, les réponses face aux observateurs. Il a été montré que les primates non humains ne craignent pas les populations qui ne les chassent pas. Et l'habituation est considérée comme étant l'acceptation par les animaux en milieu sauvage d'un observateur comme élément neutre dans leur environnement, n'influant plus sur leur comportement. De ce fait, nous sommes proposés de relever ou de répertorier les réponses comportementales des gorilles non habitués aux observateurs afin d'évaluer les efforts de conservation dans les environs du parc. Cette étude se déroule au sud du Gabon dans le parc national de Moukalaba-Doudou, sur le site de Douguéti, où présentement deux groupes de gorilles sont suivis, dont le groupe gentil qui est complètement habitué et le groupe d'études Moussiro, lequel est suivi par l'ONG gabonaise Programme. Nous devons retenir aussi que le groupe gentil actuellement a été disloqué mais été repris par un autre mâle, donc le groupe est toujours viable. De ce fait, cette étude s'est déroulée entre mars à décembre 2019, soit 237 jours de suivi de terrain. Pour la collecte de données, lors des patrouilles de reconnaissance du groupe d'études Moussiro, nous avons enregistré les réponses comportementales des rencontres opportunistes avec les groupes des gorilles ou mâles solitaires non habitués. Le contact direct était établi dès lors que nous avons dans notre champ de vision au moins un gorille et lorsque celui-ci aussi pouvait détecter notre présence. Nous n'avons considéré que les distances horizontale. Donc, ceci dit, les distances verticales n'ont pas été prises en considération. Et lorsque les observations ont été bonnes, nous pourrions, si possible, relever l'âge, sexe des individus, la distance avec les gorilles, l'habitat dans lequel nous avons effectué le contact. De ce fait, nous avons retenu quatre comportements. Il y avait la peur, l'agressivité, la curiosité, l'ignorance et la curiosité. La taille du groupe lors des contacts a varié entre 1 à 7 individus et le taux de rencontre était de 0,62 contacts par jour sur 248 événements, soit 1633 minutes de temps passé pour une durée totale d'études. Par rapport aux réactions, par rapport aux rencontres avec les gorilles, nous avons pu constater que les mâles solitaires ont été ont manifesté le comportement d'ignorance par rapport aux mâles ou groupes sociaux qui ont été plus peureux par rapport au mâle solitaire. Par ailleurs, les contacts dans les sous-bois, le comportement de agressivité était récurrent dans les forêts mixtes, sûrement dû aux sous-bois fermés, étant donné que les contacts sont le plus souvent anticipés. Et la peur, lorsqu'ils pouvaient nous détecter avant et nous éviter, plus dans les sous-bois, plus ou moins ouverts. La distance horizontale médiane avec les groupes, avec les gorilles, était de 16 mètres sur un total de 120 events. Et
Nous avons pu relever ici les que l'agressivité est d'être plus non moins la distance est faible, plus le gorille était agressif. Et plus la distance était élevée, les gorilles, le comportement oscillait entre la peur et l'ignorance. Donc, pour pouvoir aussi éviter les transmissions des maladies, il est recommandé de ne pas observer les gorilles à moins de 7 mètres, selon les guidelines sur les grands singes, surtout en fonction. Pour pouvoir prévenir aussi les touristes et les chercheurs des transmissions des maladies et ou des zoonoses et vice-versa. Donc, ceci dit, nous pensons que les interactions homme-gorille pourraient renseigner sur le choix du groupe social à des fins de tourisme et de recherche scientifique en vue de pouvoir chercher. S'il faudrait commencer l'habitation d'un autre groupe, étant donné il n'est pas recommandé de pouvoir faire l'habituation avec, surtout pour dans cas de fin touristique, avec un seul groupe. Maintenant, étant donné que si le mâle décède, le groupe risque de se disloquer. Ceci dit, nous remercions tous les partenaires du parc au Gabon, USFISH, Programme. Fonds français pour l'environnement mondial de soutenir le programme Habituation. Et aussi merci à la société Francophone de primatologie de nous avoir donné cette occasion pour pouvoir présenter notre étude. Merci.